Bon, bah, on est parti pour une nouvelle journée, hein. On va aller boire le café. Bon, allez, c'est parti. On va prendre le T6. Hop. Voilà. On va le mettre en route. Voilà. Hop. Allez, go. On va faire un peu de moisson, faudra qu'on appelle le terre pour voir s'ils sont dispo pour la moisson. Ouais, tranquille, une petite ferme de l'ancien chef. On va mettre sur la... Oh, ah ouais, allez, vas-y. Voilà, recule. Voilà. Voilà, hop. Alors, on branche les câbles, hop. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre le téléphone. Voilà. Bonjour, Oui, je bonjour suis sorti, monsieur. que je n'ai. Oui, allô? Oui, c'est pour ça, je suis bien à l'ETA Belgeot. Ouais. Ok, ça marche. C'était pour savoir si vous êtes disponible aujourd'hui pour faire la moisson. Ouais. Ça dépend à quel champ Champ et 27, si c'est si c'est maintenant, possible. ça m'arrange. Si c'est maintenant, bah ouais, Ok. parfait, bah moi j'étais prêt, nickel, j'avais bien attaché ma remorque. Ok, le champ 21, c'est ça? Ouais. D'accord, nickel. Bon, bah moi Bon, bah j'y vais, repars, je vous attends au champ du coup. Ouais. Allez, à tout de suite. Monsieur, 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 Oui? il vous faut une presse ou pas? Ouais, allez-y, ouais. On peut presser à la foulée directement derrière. Ok, pas de problème. Donc on va arriver, on prépare le matériel et on arrive. Ok, bah à tout de suite alors. On va tout de suite. Voilà. Tranquille. Allez, on est parti. Ouais, doucement quand même dans le petit chemin là. Bien sympa ce petit nouveau hangar là. Ça c'est les anciens moutons, ils sont partis, ils sont tous partis là, j'ai plus d'animaux. Ils sont tous partis. Voilà. Ouais, le aller tranquillement parce que je viens de le mettre en route là donc. Bon, je l'ai fait un peu chauffer avant. Voilà, on va pouvoir arrêter le tracteur. Voilà. Alors, le grain, est-ce qu'il est bien? Ah ouais, nickel. C'est bon. Alors, hop, on va... Ah, ça c'est la barre. Ouais. Heureusement qu'elle est attachée là-bas, hein, parce que... Elle est un peu longue la barre. Bon, on n'a plus qu'à les attendre alors. Bon bah ça fait déjà 2 petites minutes que j'attends là. Ils doivent arriver normalement. Je crois que je les vois là-bas. Ça va monter sur le caillou là. Non, je... Ah si tiens. Oh. J'espère que je vais pas le gêner là le tracteur. Je vais me mettre là, tiens. Comme ça au moins. Il va arriver tranquillement. Je crois que c'est une Néoland CR CR7 peut-être. Ah. Le voilà. Je pense que je gêne pas là. Oula, son truc est pas ça. Ah, son ouvrier qui est déjà là, il le fente. Ouais, salut! Il parle. Ouais, Bonjour salut. monsieur. Ça Ouais, va? bonjour. Ouais, ça va et vous? Tricken? Donc je suppose que c'est le champ Ah, c'est ici. juste celui-ci, le champ de moisson là. Ouais. Donc j'ai Ok. vérifié hier et ce matin, je suis repassé voir. Ouais. Il est prêt, hein, donc.
Ouais, il est beau, il est beau. Ah ouais. Aussi, vous êtes tout seul ou il y a votre ouvrier qui va Ah non, venir? mon ouvrier est malade donc. Ah bah nickel, bah si vous voulez, vous pouvez se connecter à notre Tibi. Ouais. C'est 7730 si vous voulez. Ok, bah je mets Vous vous ça dans. connectez comme ça. Je mets ça dans le Fighter alors. Et ça sur mon D'accord. téléphone, comme Bon ça bah. moi je peux avoir partout. Du Ouais, coup, bon vous bah commencez, moi, vous faites merci. combien d'étourages à peu près du coup? Deux. Deux, ok. Comme ça, je suis sûr, parce qu'il y a le maïs là à côté, je vois qu'il y a des pierres, donc on va faire deux. Ok, bah ça marche. Bon bah je vous laisse commencer, hein. À tout de suite. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien les gars? Ouais. Ok, ça. Ouais, chef, sinon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas presser les détourages, enfin, au niveau des fourrières. Sinon, les balles, elles vont faire chier. Ouais, vous faites les fourrières après. Ah, vous Ah, avez une ben, belle non, je serre-huit touche là. pas, là. Vas-y, 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 tu peux. Parce que les rétros, ils Vas-y, hop, sont... braque dans le sens. Gauche, braque à gauche. Ouais, mais il y a la benne. Ouais, braque à gauche, braque à gauche. À droite, plutôt. Voilà, nickel. Attends, je vais peut-être avancer un peu, si tu veux. Tant que j'écrase pas le blé. Voilà, hop, on va avancer un peu. On se met de là au bord. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe là, à part des promeneurs. Baptiste, Hop. ouais. Tu veux bien venir attacher, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. C'est bon, vous m'entendez bien là? Je suis avec mon téléphone donc. Oui. Vas-y, Alors, attends, je te mets pris de force. Bah nous, on a des oreillettes, hein. On en a eu gratuit. Hydraulique. Attends, j'ai déplié le truc à l'arrière pour le truc en un. Oui. Tu me dis quand c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, j'ai reculé. J'ai vu qu'il y avait une pierre, faire attention. Vas-y, attends, attends. Je me mets dans le niveau de ton rétro là, vas-y, recule. T'es sûr, Redresse chef, dans le la sens. barre de coupe? Oui. Ah ouais, c'est dur de manipuler dans des petits chemins comme ça avec une grosse barre de coupe. Vas-y, recule. Ça passe d'ailleurs, Baptiste. Ça passe ou pas? Attention, vas-y, recule. Top, top, Oh, top, stop, top, top, stop! top, top, top. Ah, et ici, punaise, ici, faudra que je. Ah, il y a un trou. Ici, faudra que je remblaye là. Punaise, y a un trou. Bon, on va voir si c'est nickel. On va se mettre à la bonne hauteur. Punaise. Allez, go. Elle est beau le Normalement, c'est bon, ça 1050 fait là. des andins. Et c'est un nouveau là votre 1050 là du coup? Ah, on l'a Ouais. reçu il y a. Bah, c'est un nouveau. On l'a reçu il y a 3 jours et il est neuf. Oh ouais, punaise, c'est beau. Et la Oula, crone qu'est-ce que vous aussi? avez vous? Non, la crone plus vieille, non? Et la crone, elle est pas neuve. Elle a un compteur sans ballot. C'est un mec qui l'a. Il l'a eu en démo. J'ai remis là-bas bah, le truc tu sais où les bottes dans le manège ils tombent derrière. Pour l'instant parce que c'était en train de traîner par terre, c'est un coup de déchirer. La bâche. Ouais. Vous m'en rubanez pas. Hein. Non, c'est qu'il est beau. Faire attention au maïs derrière. Ah oui. C'est votre maïs là à côté, non? Ah ouais. C'est pour ça, faire attention. Attends, je vais aller dedans voir un peu comment il est. Ah ouais, ça va, il commence à être à peu près. Ouais, il est presque bon, hein, votre maïs presque. D'ici Encore 2-3 une mois, quoi. semaine. 2-3 mois, non? Tu vois, ça dépend Ouais, si vous le faites en bah ensilage ou en maïsrin. on l'a planté fort tôt. Bah, c'est Et du quand coup, j'avais la ferme, hein, c'est ça. chef, vous allez le mettre au BGA, non? L'ensilage, ça dépend si Clément le veut. Il l'aura, hein. Ouais. De toute manière, moi je pense que après la moisson, il y aura de toute manière, même pas un mois après, il y aura l'ensilage qui va attaquer donc. Bah, c'est ça quoi. Surtout, ça va être pour les grosses entreprises comme vous là. Vous allez avoir du boulot à tout préparer des ensileuses, repréparer la moissonade pour mes Bah, reins. l'ensileuse, L'ensileuse, elle est déjà bah. pas prête. Ah, vous l'avez préparé Tout l'année est déjà dernière prêt, directement. c'est. Ouais, tout est déjà prêt. Il vous reste juste à changer les couteaux sur la moissonade quoi pour le maïsrin. Mais je crois pas qu'on va faire du maïs grain cette année. Peut-être l'année prochaine. Moi de toute manière j'en ai pas cette année, j'ai besoin de l'ensilage donc j'en ai pas.
Bah nous ça va nous servir à rien. Mmh. Et aussi je voulais vous demander, Ouais. c'était vu que quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait des stocks pour grains. Bah oui, j'en ai, bah c'est... Est-ce que je pourrais pas vous les louer? Bah vous pouvez, vous avez juste à... Parce que nous à faire des céréales, mais vu qu'on n'a pas encore de bâtiment pour, Ouais, parce que vous pouvez... ça va être dur. Parce qu'on va pas les mettre en tas comme ça dehors, ça va être bizarre. Bah oui, ça va être un peu bizarre, ouais. Surtout l'humidité et tout. Est-ce que Ça vous va, faites, ouais. vous marquez... sur un bout de papier, Les tonnes que je dépose. voilà les tonnes que vous déposez comme ça, bah, vos nombre de tonnes, bah voilà. Bah ok, pas de Et problème, bah merci moi je beaucoup. noterai de mon co. Ah ouais, et je Faudra noterai. qu'on discute combien je vous dois pour le louer. Ouais, bah. Mais y a pas spécialement beaucoup de rendement. Ah ouais. Putain, je Hein. te sens à moitié mal là, là le bruit de la moissonneuse là. Je Elle en suis fait qu'à un bruit. 5 tonnes. Oula. Bon, là, il faudra faire gaffe, là, il y a une pierre, est-ce que je viens de voir? Il faudra peut-être que je vois pour l'enlever celle-là. Ouais, aussi, parce que... Ou la décaler juste un peu. Vas-y, vas-y. Ah, stop, stop, stop. Ah, redresse, Oula. redresse, redresse. Ouais, je suis coincé dedans. Sinon tu tapes dedans. Tant que les roues nous Vas-y. roulent. Recule, recule. Mais bon. C'est bon, tu peux. Là, c'est bon, t'as côté. Fais gaffe à la barre de coupe. Voilà. Et sinon vous comme vous êtes, ça fait vous étiez dans la région avant moi là, parce que moi ça fait peut-être un mois que j'ai repris Bon, on donc vient de de temps. débuter, v'là pas longtemps. Hein. Ah ouais, parce que moi ça fait un mois que j'ai repris la ferme, c'était la ferme d'un pote qui de son père qui est décédé, son père est décédé dans la ferme d'un pote donc et je me suis dit pourquoi je vais pas reprendre la ferme avec lui hein. Comme ça, du coup, on a le Bah temps de moi, tout voilà, renouveler et j'avais tout. une ferme comme ça, mais j'avais une ferme comme ça, mais voilà, c'était pas mon truc. Ah ouais. Attendez, je vais juste déployer votre N'y avait pas bâche. spécialement de rendement non plus dans les champs, Merci, donc. monsieur. Bah, chef, j'ai réfléchi et en fait, je vais pouvoir. Tu sais, avec le chargement de la presse, on me fait une presse à rebanage. Ouais. Bah, tu sais, je vais pouvoir charger une balle dans le truc à l'arrière, comme ça, bah, je peux faire des fourrières quand même, attends. Je manipule ça pour. De toute façon, il n'y a pas spécialement de rendement, donc. Ouais, bah, Ah, je vais voir ça, je vous dis. l'accélération. Alors, fais un bruit la presse. Ouais. Le fen, normalement, il doit pas en avoir dur. Non, je suis monté, je suis à 14, mais j'ai décidé de pas y aller plus, parce que sinon. Et Bah, je crois pas Je vous bourrais bourrer, non quoi, tu plus. vois. J'allais voir la paille, comment elle est. Elle est sec en plus là. Hop, Je suis attends, à j'attends. 7 tonnes, donc Ah, faudra c'est bon. préparer ton T6. Alors. Elle fait 11 tonnes 5 de capacité, je crois. Ma remorque. Ouais, peut-être, ouais. Alors, ah ouais, la Non, pas paille. votre tonne, ma trim. Ah ouais, t'as très Et bien. chef, il y a beaucoup de rendement à la paille. Hein. Ah bon? Croyez-moi. Ah ouais, ça y va. Ah 3 ouais, gros bah. blés, c'est enfin pas C'est vrai, ils trop. sont bien serrés là, nickel. Nickel chrome, tout ça. Je sais pas où. Regardez peut-être derrière votre carreau, dites-moi si vous êtes presque plein, quoi. Ah, sinon, vous avez peut-être Ouais. moyen d'arrêter jusqu'à votre benne. Jusqu'à ma Moi, benne. je vais m'arrêter à la benne comme ça. Ouais. Je préfère pas aller dans le champ et la remorque, comme ça, moi, je gêne pas. De toute façon, je vais commencer les bandes. Bon bah moi je pense que je vais retourner à la ferme. Je vais rester Ouais. sur mon téléphone pour vous écouter. Va aller prendre un tracteur. Est-ce qu'on a Et reçu? vous comptez acheter combien de vaches ou
Faut jouer à ça avec le banquier et tout pour voir est-ce qu'on a reçu le plateau de Et Paris-Cruz. monsieur, c'est pas vous que qui a repris la ferme du mec qui est décédé là, que ou qu'il y avait plein de, il y avait un stabule à cochons et tout. Ah si si c'est moi. Ah oui, c'est vous, bah vous allez peut-être faire des cochons. Des cochons et vous, il me semble qu'il y avait à la ferme. Ah ouais bah y a même un nouveau bâtiment qu'on a fait qui sera un peu surprise. Que je vous Un montrerai. chouin, moi, avec ma screen. Donc Ah, bah il y a une moi. boîte, c'est pas prévenir, Baptiste. Ah bah c'est la presse, elle décharge automatiquement, ça, la technologie, je te jure. Alors attends, hop, Ouais, non, il y a quasiment que ça. je règle Hein. Ouais. la Même dans les CB. chaînes, il y a que ça, mais ça tire. Ça, c'est pour ça que j'ai pris un On T7 verra et... si tombe en panne, celui-là. Ouais. Je vais mettre sur le T5 ma petite fourche. Ben ça se vide, c'est nickel. Alors, on va aller à prendre la petite fourche. Voilà. C'est moi où elle est un peu sensible votre CB, hein, parce que j'entends un peu votre volant tourner là. Ouais, mais Ouais, il faudrait qu'on faut régler règle ça. les détails de la civile, c'est pour ça. Voilà, Un hop. truc à régler sur la moissonneuse. Ça va, celui-là était déjà détaché le godet de toute manière. Je vais devoir aller attacher la fourche maintenant. Ah, vous allez pouvoir vous préparer à ramasser les ballots, ça va, je vous dis, ça va y aller. Je sais pas si c'est votre seul champ de céréales, mais il va y avoir des ballots. Hein. Voilà. Hop, nickel, on branche les tuyaux. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais laisser passer Baptiste. Voilà, il reste plus Non, qu'à vas-y, mettre. vas-y. Il faut choisir une marche arrière et tout. Voilà, nickel. Mais c'est un nouveau petit T5 qu'on a acheté là. Et les deux néolandes, c'est des nouveaux là. Bah, ça va bien, les mignons. Moi, j'ai Oh, un ouais. T7, franchement. Ça n'a pas encore servi, mais j'en suis sûr, il va tirer. Le John Après, Deere j'ai le aussi, petit. enfin, j'espère qu'il va tirer. Il y a un tracteur de son père et de son arrière-grand-père et tout ça. D'un pote qui est décédé, qui va venir après, il est parti en réparation le tracteur. Parti en réparation un peu rénovée, quoi. Pour qu'il puisse faire au moins quelques temps encore. Et c'était quoi comme tracteur? Je crois que c'était un petit Renault, il n'y avait plus la marque dessus, mais je crois que c'était un petit Renault. Ouais. Ouais. Ouais, un Un petit chrono Renault. combien? Je sais pas. 751, je crois. Ça tire ça. Ah ouais, j'en ai entendu parler. Hop. Hop, on va tout tâcher les tuyaux. Hop. Hop. Putain, je loupe chaque Voilà. fois des bouts en début de champ, c'est chiant. Hop. La barre de coupe elle est grande, c'est pas pratique. Voilà. On va pouvoir commencer à ramasser un peu les ballots. Je sais pas si vous avez eu des problèmes avec votre moissonneuse, vous. Non, pas du tout, si. Enfin, vous me direz, elle est neuve, hein. Enfin, on peut se tutoyer, hein. Bah oui. Moi j'ai pas eu de problème, je sais pas toi, mais. Moi, je sais pas, moi j'avais un pote, il avait un petit problème avec. Moi, c'est une plus petite que ça, elle était un peu plus vieille aussi. Ouais, les vieilles moissonneuses. C'était une néolande aussi. C'était une TM, je crois. Monsieur, les. Une Non, ils font TM, pas de moissonneuse TM, voilà. ils font des tracteurs TM, mais. C'est pas Ah des ouais, bah. moissonneuses, hein. Eh bah, c'était un truc du style. Une TX, non? Ah, peut-être, ouais. Parce que c'est une TX, c'est normal. Enfin, il faut bien l'entretenir aussi. Bah oui. Hop, on va débrancher les tuyaux. Hop. Voilà, on a enlevé l'axe. Voilà, le plateau a un peu sauté. Non, oui, il y a un stock de balles. Ouais.
faut que j'arrive à bien prendre ma botte là parce que. Baptiste, t'as du rendement en botte? Ouais, boy. Moi, en céréales, je ne sais rien. Par contre, elle est trop grande et c'est chiant. Non, mais on tourne un peu la tête. Ça, c'est une nouvelle variété que j'ai testée donc. Nouvelle variété de céréales. De Chamblay, hein. Ouais, vous en avez des autres ou pas? Ouais, mais ils sont pas tout à fait mûrs encore. Ouais. Faut que j'avance un peu. Hop. Je dirais que le volant de la moissonneuse, ah, il est un peu dur. Putain, j'ai ma fourche, ça déconne un peu. Hein. Moi, j'ai ramassé mes les bougies, j'ai oublié. Hop. Ah, nickel. J'ai ma fourche, ça déconne un peu. Autrement, Baptiste Le Pen, tu le trouves comment? Oh, ça va, il est pas mal. Hein. Et je trouve quand même, parce que il y a quand même énormément d'électronique là-dedans, même pas d'inverseur et tout. Enfin, voilà. Ah, c'est nouveau, hein. En espérant qu'il n'y ait pas de panne. Ouais, autrement. Et sinon, comme moi, je suis nouveau, ça fait. Ça fait pas longtemps que j'ai la ferme ici. Il y a d'autres agriculteurs dans le coin ou quoi? Par nous, non. Ouais, il y a un Jacqueline. Là, ouais, le mais mec, c'est il pas a trop que dans du... la région, quoi. Le mec, il a que du jeune d'air, là, et du vieux, là. Mais c'est pas trop dans la région. C'est il me semble qu'il fait. Il fait quoi déjà? Il fait des moutons et des agneaux, je crois. Mais ah c'est ouais. Plutôt hors de la région, parce que par ici. Ouais, c'est pas par là, c'est loin. Parce que genre, j'appartiens quand même, enfin j'ai quand même beaucoup de champs, je sais que celui-là est mort ici, avait beaucoup de champs aussi, donc. Non, parce que Jacqueline, que je sais pas, il est dans le sud des Ardennes belges. Non, bah c'est pas lui, quoi. C'est loin quand même. Ouais, il est pas loin. C'est quand même une belle région par ici. Ouais. Avant, je travaillais pour une ferme bio en Normandie. Ah ouais? Ouais. C'était pas mal aussi là-bas, mais c'est le bio quoi. C'est bien, c'est pas mal. Ça change. Ouais, ça, change. Ça change du gros matériel. Et le bio, il est mieux payé quoi. Il y a pas énormément d'agriculteurs bio. Puis. Ouais, ça. C'est ça qui est bien. Mais là, vous faites du 1 mètre combien là? Après, c'est les pratiques, c'est plus dur. C'est vrai qu'avec les produits chimiques, nous on gagne pas mal au niveau des récoltes et tout. Ouais. Bon, après, dès qu'on a trouvé les techniques pour remplacer les produits phyto et tout, bah, ça y va. Hein. En espérant que mon ouvrier soit là demain. Donc, les fumigés, on dit ça comme ça, mais ça quand même. Quand même ça pollue quand même. C'est quand même un bon engrais. Mais c'est un très bon engrais, certes. Mais le lisier, c'est plus pour les pâtures. En plus, c'est entre guillemets gratuit, j'ai envie de dire. Enfin, tu payes quand même la vache, quoi. Ouais, mais la vache, après, on la fait reproduire. Ouais, c'est ça, donc c'est comme si tu avais rien payé. Ah ouais. Bah, je sais pas, j'ai pas eu encore de vache. C'est ma première ferme par ici, donc les vaches bio, les vaches de Belgique, tu sais, les marrons, hein. Et les bleus blancs belges, je sais pas quoi. Ouais, ouais, je connais pas trop au niveau vache, mais je crois que c'est. Moi, je crois que c'est cela, ouais. Ouais, cela, j'ai jamais fait, donc j'ai fait que les noires et blanches, donc. La vache, c'est qui est le plus réputé, quoi. Vache abattoir, plutôt. Mmh. Ouais, ici, ouais. Dans cette région, je crois que c'est plus des vaches abattoirs qu'autre chose. Ah, j'ai fait plus des vaches. Vaches de gens, quoi. Ouais. J'ai plus fait vaches laitières. Vous étiez dans tout ce qui était lait, fromage et tout, en gros. En quelque sorte, ouais. Ouais, ça change. Donc c'est la première fois que je fais... Je passe du bio au gros, enfin, ETA, c'est réalisé, quoi. Et sinon, chef, celui-là, je vois qu'il est bientôt 16h. À 16h, d'ici 16h, enfin, à 16h20, faut que j'ai un rendez-vous pour des trucs personnels, donc on n'est pas contraint de trop, ouais. Ouais, bah, de toute façon, le champ il est terminé, là, on va rentrer à la ferme. Sinon, attendez. J'ai lequel encore en moisson qui est à peu près mûr? Attendez, je regardais, tu sais, comme j'ai installé une nouvelle application qui est sortie, là, tu sais, sur téléphone. Ouais. Où on voit les tonnes et tout.
Alors. Alors. Sinon, j'ai le 31. Est-ce qu'il est prêt? Ah non. Par contre, Baptiste, il y a mis les bottes là, quasiment à l'entrée. Hop, il faudra se faire autour. Voilà. J'espère que la barre de coupe passe au-dessus. On accroche un peu là, ouais, je pense. Sinon, il y a le 11 en or que vous pouvez peut-être aller faire. Si c'est possible. Bah, vu que mon ouvrier est parti, ça va être chaud, quoi. De toute manière, il est pas bon à presser tout de suite hein, parce qu'il y a de la verdure au bord. Après, c'est comme vous pouvez. Si vous. Bah, je préfère sortir plutôt la moissonneuse demain, comme ça vous payez déjà un peu moins cher. Enfin, maintenant, si vous voulez le faire aujourd'hui. À part si vous avez des choses d'autres choses à faire, si vous avez d'autres questions qui vous attendent. Bah, quand même. Moi, je sais pas, c'est à vous de me dire, hein, Parce moi. que je dois le faire autour de mes champs, donc ça va être juste. Ouais. Attention, attention. Oh, je vous avais pas vu, excusez-moi. Je mets... Par contre, sur cette nouvelle, il y a la caméra arrière que je peux régler. C'est très bien. Bah, si vous Donc, voulez, ça, c'est c'est nickel. tout à l'heure. Bon, bah, donc demain, je suis en 11, c'est ça, hein? Ouais. Le champ 11, hein? Oui. Bah, moi, je vais. Ouais, Bah, à la prochaine. avant de quitter votre Tibi, du coup, comment on pourrait faire je passe tout à l'heure à votre terre, du coup, voir pour les silos ou Ouais, pas? pour les paiements, ouais, pour les slow, ouais. Parce que là, je Ouais, bah finis. passé vers 20 h, je serais sûrement rentré de mon rendez-vous, ouais. 20h. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah, demain alors. Ouais, allez, à demain. Allez, à tout à l'heure. Pour les silos du coup. Voilà. Hop, là ça passe ou pas? Voilà. Voilà. Là, je vais mettre cette botte là. Voilà. Ah, je t'aime. Un peu plus en avance. Vais changer ces bottes là. Le plateau comment où il est à peu près. Putain, c'est voilà. Nouvelle petite fourche, elle est pas mal cette petite fourche là. Une nouvelle marque est sortie. Hein. Parce que l'autre elle était un peu abîmée avec, avec la fourche. Du coup bah. Voilà. Allez, nous mettre ça. Voilà, nickel. Nous allons mettre celle-là maintenant. Ça c'était les deux premières, c'était plus petite je pense.
Voilà. On va aller ranger ce bot là. Ouais, mettre ça l'autre côté. On va pouvoir aller ranger l'arbre à grain, je pense qu'on continuera. Allez, deux petites bottes, on va les mettre. Je pense qu'on va les mettre après en fait. Ça c'est, on va mettre les grandes et les petites à la fin en fait. Hop. Voilà. Je pense qu'on va charger cette botte là. Oh, j'ai eu chaud, en plus j'ai dans les. On va aller mettre un tracteur. Voilà. On continuera ça. On va déjà aller vider la remorque. Voilà. Voilà. On démarre le T6. On va aller vider ça. Voilà, le champ de blé est fait. Ça passe ou quoi? Voilà, hop. Pouvoir vider ça là. On laisse le tracteur accroché sur la remorque pour demain. Mettre celui-là dans le. Tracteur, là, je l'ai arrêté là-bas. Enlever les clés. Juste à côté de la ferme donc. Et la route là-bas. On va arrêter le tracteur, deux freins à main. Voilà. Voilà.